Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jours de la semaine pour un nouvel épisode sur Spyro Reignited Trilogy. Eh oui, alors, on en était à ce monde qui s'intitule Cône Magmatique. Alors, on va tout de suite commencer. Je voulais aussi m'excuser hein, si la vidéo arrive tardivement ce soir ou demain matin, car, eh bien, j'avais des choses à faire. Très clairement et donc voilà quoi, je n'ai pas pu filmer, etc. Je n'étais pas là. Enfin bref, maintenant on rattrape. Bonjour Spyro, je suppose que tu es là pour la fête. J'ai peur qu'elle n'ait été annulée. Ces stupides terraformeurs ont rallumé le volcan. C'est tout? Il me dit que ça? Bon. Alors. Waouh! Hey, t'es un fou, gars! Ah, puis cours vite en plus! Waouh! Ça me fait penser au petit voleur d'avant. Hein. Un de fait. Deux de fait. Casse-toi, 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 j'avais oublié. J'avais complètement oublié qu'il fallait les bouger, enfin les... Comment dire, les pousser en fait, on peut pas les tuer directement, il faut qu'on apprend un autre pouvoir. Si je me rappelle bien, on devait apprendre une charge. Alors, donc du coup on ne peut rien faire. Par contre je vois une boule de feu. Bon, c'est comme moi, hein. Bon, c'est comme moi. Je suis sûr. Wouh! Bon, allez, comment on peut faire? Parce que comme ça et comme ça, c'est mort. Donc il faut qu'on... Par où on peut aller? Ah bah là, regardez. Là, on peut grimper. Par contre, on entend un bruit. Je sais pas où ça vient. Peut-être de la chanson. Ah, on peut passer en face, impeccable. Impeccable, incroyable et magique. Alors. Impeccable. On va y aller en douceur. Ah, je crois que je suis mort. Et bim. Ah, il y en a là aussi. Oula, on se casse en vitesse. Alors. On va repasser là-bas, hein, bien évidemment. Alors. Deux secondes. C'est bon, c'est impec, allez hop. On va... Ah donc du coup on va faire ça, on va le cramer. Voilà, on le crame. Voilà. Ding. Voilà. Un petit diamant violet, bien évidemment. Alors. C'est lui qui fait du bruit. Eh ouais. J'aurais pas cru autant. Impeccable. Bon, comment on fait pour tout simplement qu'il lance cette boule de feu. Même pas, ça fait rien du tout. Mais sérieux? Ça fait rien du tout. Ok, ou alors il faut... Ah, j'ai peut-être une idée. Voilà. Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà. Pouce bleu.
Impeccable. Chose là-haut. Non. Il y a rien. Là, y a rien. Oh, il y a Richard le riche. Comme d'habitude, il va gratter des sous. Et dans la pièce suivante, un ascenseur peut te conduire au volcan. Tu peux avoir un accès illimité à l'ascenseur, contre quelques gemmes. Bien évidemment, je dois te payer. Comme d'habitude. 200. Donc du coup, 200 gemmes. Bon bah, il me reste 3351. On peut, non? C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Monte dans l'ascenseur et il te conduira jusqu'en bas. Quand tu voudras revenir, monte de nouveau dedans. Avant, je prends les joyaux et voilà. Wow. Waouh! Le volcan est un peu bizarre quand même. On dirait un volcan artificiel limite. Donc, on va sauter. Ouh, faut faire attention en plus. Ouh, 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 ouh. Youp là. Et voilà, impeccable, non? Ensuite, on va se dépêcher. Voilà. On va où? Oh! Mystère. J'ai ma petite idée. Allez, pour ça, il faut attraper cette boule. C'est pas... ouais, d'accord. Hop là. Ah, et si on fait ça, non? Je vais m'expliquer, faut l'attraper au vol. Wow, faut l'attraper au vol. Hey, ils se sont cru où là? C'est du haut niveau. Oh non, mais genre tout en haut, faut être confiant. Oh genre. Hey, c'est impossible là. Ah, ils sont chauds. Et qu'on passe comment? Je vois même pas. Et je vois pas. Mais que je fasse comment? Même comme ça, on voit rien. Oulala, 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 oulala. Mais c'est compliqué. Ou alors faut tourner comme ça en volant. Ça serait plus simple. Parce que là, c'est pas possible. Là, on voit rien. Hein.
que là, très clairement, ouais, il est sur la droite. En plus. Non, non. Ouais. Ah, il y en a encore là. Ou alors on fait ça au pire. Hein. Ah, voilà. En haut et tout, c'est à dire qu'on a encore tout. Mince, il est tiré. Et il fallait pas tirer. Bien, ce qu'on va faire, c'est ça. Non. D'avoir fermé le couvercle du volcan, Spyro. Il commençait à faire un peu trop chaud. Tiens, voici un talisman que je gardais pour la célébration. Je crois que tu le mérites. Et voilà, nous avons un talisman. Il ne reste donc plus qu'à trouver eh bien, tous les arbres et tous les joyaux. On continue. Alors, intéressant. Salut Spyro, tu arrives juste à temps pour la fête. Enfin, ce serait le cas si ces horribles monstres de lave n'avaient pas volé nos chapeaux. Sans chapeau, les fêtes sont tristes ou nettes. Wow. On fait comment? On lui pique le chapeau et c'est tout. Wow. On recommence. Salut Spyro. Oui, c'est bon, on connaît. Allez hop. Tu commences à répéter à chaque fois, on n'a pas fini. Ou alors que lui... Ah ouais, il y a encore un ballon. Oh. Bah tant pis. Ah, je sais. Prendre la boule là-bas. J'ai une idée. Voilà. Il y en avait une là aussi. Yeah! Mais un pouce bleu. Par contre, je sais pas où il est tombé. Ah, il est là. On va remonter, on ira le chercher tout à l'heure. Hop. Et vous savez, c'est pas illimité. Alors, comment on récupère le chapeau? Parce que le brûler, ça ne sert à rien, on dirait. Mais pourtant, je vois que brûler, non? Comment moi pas comprendre là. Eh bien, après concertation avec ce môme ici présent, hein,
là, Liam, que vous avez connu dans GTA, eh bien, on a une idée et on va la tester. Alors, ça serait de prendre la boule, là, et de la cracher. Eh bien, voilà, c'est bon! Mets un pouce bleu! Voilà, on a compris. Il a fallu se concerter une demi-heure, mais c'est pas grave. Alors, on prend la petite bouboule. Ah, d'accord. Ok. Voilà, au pire on s'en fout, hein. On fait comme ça au pif. Voilà. On va faire comme on peut, hein. On va prendre un virage. Voilà, on fait le tour. Twing. On va reprendre la boule. Hop. On va reprendre du pouvoir, on va dire ça comme ça. Alors, là pareil, on va prendre. Oh, par contre là, ça va être tendu. Il faudrait venir d'en bas. En gros. Ouh. Non, non, non. Ouh. Et encore là aussi, hein. D'accord, alors. On va prendre celle-là au pire. Voilà. Ah, j'aurais pu avoir le joyau, tant pis. On verra après. Hop. Non. Non. Ne meurs pas. Pas maintenant. Il a fait au cul. D'où l'expression fait au cul. Hop, on va se dépêcher de monter. Oui. Nous reprenons ce magnifique truc. Et on tire direct. Voilà. Bon, il a fini en dehors du mur. Alors ensuite. Là-haut. Hop, ça c'est bon. Ouh. Non. Non. Eh bien, try again. Non, on s'en fout, la biche là, la biquette, ce que tu veux. On s'en tape. Alors, on va prendre la petite bouboule. On shoot dedans. On prend la bouboule. On shoot dedans. Allez, on peut le faire. Hop. Hey, 3 en 1. Allez, on continue. Coup de chance. Concentré, on reste concentré. Il en reste plus que deux. Où est le dernier? Ah, là-haut. Impec. Eh bien, voilà, nous avons réussi. Tu as sauvé la fête. Tiens, ce truc a été mélangé aux apéritifs et j'ai failli me casser une dent dessus. Un orbe. Ça vous en fait 38. Alors, il en manque deux et il manque encore des joyaux. Alors, est-ce qu'on peut aller tout en haut du volcan? Non, il veut pas. Ça, c'est où il faut aller pour sortir.
par où on pourrait passer. Là, je vois une porte fermée, entre guillemets. J'ai bien envie de prendre une boule. Oula, 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 oula. Une boule, donc. Et de péter cette porte. Enfin, une porte, on va dire ça comme ça. Comme ça. Non, même pas. Bah, ce n'est pas ça. Non, on dirait des portes. Mais ce n'est pas une porte. Ou alors au début du monde. C'est-à-dire là, on est dans le volcan. Là, on peut pas ouvrir. Donc. J'ai bien envie d'essayer de repartir. Ah bah non, on peut pas. On peut pas non plus. Non. On va essayer de voir en remontant si on n'a pas oublié quelque chose. La lave ne coule plus. Je suis en train de me demander. Ah, ça y était pas tout à l'heure. Yes. Eh bien, ça fait déjà des joyaux supplémentaires. Voilà, attention à ne pas tomber. On va continuer à chercher. Hein. Des joyaux, je rêve là-haut. On va peut-être trouver, voilà, une pièce. Oh, intéressant. Ensuite, on a du joyau ici dans le coin. Je n'avais pas vu. Ah bien voilà, les deux orbes restants, et à mon avis, le restant des joyaux est avec. Ah bien voilà, nous avons le restant des joyaux, yeah, mais un pouce bleu. Eh bien, il nous reste donc plus qu'à avoir les orbes. Ah, Spyro, regarde la grotte que j'ai trouvée. Jouons à un petit jeu. De temps en temps, un morceau de pop-corn cristallin jaillit du sol. Le premier qui en prend 10 a gagné. Un pop-corn qui sort du... Hey, tu m'expliques là? C'est quand tu veux. Il faut faire quoi déjà? Ah d'accord, pour l'attraper. Ah zut. Hop là. Ah c'est marrant, ça c'est marrant. Hop là. Hop là. Je l'ai eu. Bon, tu as gagné. Voici un orbe. Je te donnerai un autre orbe si tu parviens à me battre. On monte à 15 cette fois. Tu es d'accord? Alors, je suis d'accord, oui. Je me sens d'humeur. Est-ce que tu es prêt? Mais bien sûr. Est-ce que je peux te cramer? Non. Bah, il y en a déjà eu un. Sors-le. Ouais.
Ah, je l'ai pas eu. Je l'ai raté. Yeah! Tu es très fort. Il va falloir que j'invente des jeux plus difficiles. En attendant, prends cet orbe. Tu l'as mérité. Et bien voilà. Et donc, je pense qu'on a terminé ce monde à 100%. Oui, voilà, nous avons terminé ce monde à 100%. Et bien, il est temps pour nous de quitter ce monde. Très clairement. Alors. C'est où la sortie? Attendez. Alors, on va tout simplement sortir d'ici. On est bien d'accord. Alors, pour sortir, je ne me rappelle plus. C'est bien là le délire, c'est que je ne me rappelle plus du tout. Oui, voilà, on montait le volcan. Monde assez simple, assez rapide. Assez petit également, je ne l'ai pas trouvé grand. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Bon, vas-y, on saute. Allez, hop. J'ai pas le temps d'attendre. Voilà. On va se dépêcher de monter. Oula. Allez, hop. Allez, monte. On a fait comme on a pu. Voilà. Et impeccable. Oh oh. Eh bien, on en est arrivé, donc le cône magmatique c'est fait. Comme je suis très gentil, on va aller dans un autre monde. Et ce sera la 27 vidéo, bien évidemment. Alors, on va prendre celui-là. Donc c'est un monde oasis ombragé. C'est peut-être un monde volant, je ne sais pas. Peut-être, hein, si c'est un monde volant, eh bien, ce sera le monde bonus de cette vidéo. Eh bien non, c'est un nouveau monde. Waouh! Waouh! Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette vidéo. Et on se retrouve dès demain pour un autre épisode avec Spyro. Allez, salut tout le monde. Ciao, tout le monde. Portez-vous bien!